Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Let's Play sur Total War Rome 2. Alors, nouvelle semaine, nouveau défi, hein. On va regarder un petit peu ce qu'on avait prévu de faire. Vu que j'avais fait les enregistrements la semaine dernière, il faut que moi aussi je me rafraîchisse un petit peu la mémoire. Donc du coup, on avait tout ça, c'était à nous, on avait commencé à attaquer les Francs qui avaient confédéré dans un truc germanique avec cela. Avec... C'est ça, donc ils avaient confédéré ici, ils sont encore un petit peu là, ils sont encore un peu là. Et après là, c'est les Vandales et eux, ils étaient encore alliés avec nous, mais je pense qu'il faudrait quand même s'en occuper à un moment ou à un autre. Ou alors on les laisse totalement tranquilles, on ferme simplement la frontière, on prend ça. Et on ferait peut-être bien de s'attaquer à ça. Ça me laisse un gros pied à terre sur... la Méditerranée, surtout que je vois que mine de rien, ce que j'avais prévu à la base, c'était d'attaquer la péninsule ibérique ici, mais je vois qu'ils sont quand même pas restés inactifs. Ils ont carrément bouffé le nord de l'Afrique. Donc c'est un adversaire qui risque d'être compliqué à gérer. Mais il me semble que pour les objectifs de victoire, c'était nécessaire de les conquérir de mémoire. Voilà, c'est ça. Ici, il me faut la Lusitanie. Suébia. Ah ouais, il y a encore de la marche. Hein. Lusitanie. Et Cisalpin. Donc, j'ai pas trop le choix. Je dois encore mettre tout le monde à dos. maintenir sans maturité les unités navales, ça viendra après. Raser au métier à sec, ni colonie. Donc en soi, on n'est pas hyper loin. On continue de toute façon à conquérir. Hein. Donc ce que je pense qu'on va faire, c'est bouffer cela. Donc l'alliance bazar machin là. S'attaquer aux Lombards après, pas trop le choix. Puis attaquer l'Italie. Jusqu'à Rome, carrément toute l'Italie, comme ça je prends ça, et alors il me reste un gros conflit du coup contre les Espagnols, qui pourra être géré. Du coup, eh bien on va reprendre un petit peu nos activités générales, tech, commerce et finance, actif, ça on vient de le faire. Où sont mes armées? Ici, en Belgique, il n'y a pas grand chose à construire. Là non plus, mais je crois que de toute façon, ouais, j'étais à la fin de mon tour. C'est ça, ouais. Donc on va simplement terminer le tour et le passer. Et donc voilà, l'objectif de la semaine, je pense que ça va être de prendre, d'éliminer la Confédération germanique, du moins au nord là, et puis commencer à attaquer les Lombards, je pense. Pour qu'ils ne puissent plus m'embêter. Ils existent encore ceux-là? Je pensais qu'ils avaient disparu. Depuis le temps. Sinon, pour info, je vous invite à aller jeter un œil à ma page Facebook. Si mon planning est bien respecté ce week-end, je vais mettre un lien vers un article que j'ai écrit pour Jeux Online où j'ai fait une rencontre. J'ai été interviewé en fait un développeur de chez de FFI Games qui pour la sortie d'un jeu de cartes basé sur le Seigneur des Anneaux. Donc pour ceux que ça intéresse, allez, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma page Facebook MacDarch Gaming. Alors, les conseils des druides s'est réuni, vous pouvez le consulter sur les événements récents. Continue à conquérir le monde. Alors.
À Narbonne, on peut améliorer pas mal de choses, je vois. Donc ça m'apporte, ça me déverrouille le recrutement de beaucoup de choses. On va le faire, voilà. Ici. Ça m'apporte du pognon. Au niveau pognon, je suis quand même assez peinard, je dirais. Ça. L'agriculture dans la région n'est quand même pas extraordinaire, donc bof. L'industrie, peut-être mieux. Je vais faire ça. Voilà. Et ici, bah du coup, je vais faire l'autre alors. Hop. Voilà. Ici, c'est presque fait. Donc, Narbonne, ça avance bien. Oui, ici, il fallait réfléchir doucement à. C'est les lombards qui l'ont, ouais, c'est ça. Donc, ça, il faudra voir à fin. Magna Germania, c'est lancé. Germania mineure, on n'a rien de spécial. Ici, on en a toujours qu'une. Tire de tampon. Ça, par contre, ça peut toujours être intéressant. Apporte une garnison, ça ne change pas. Ça déverrouille ça, mais c'est déjà fait. Passer au-dessus, ça augmente. Production de bois, l'ordre public. La croissance. Voilà, hop. Go. Pour vivre une homme. Donc, mes armées. Alors, ici, j'ai une armée qui est pas mal en forme, donc il peut directement aller se frotter au sud. Là, on y va direct. Et en Biorix, mon général qui va s'attaquer à Kalankorum. Donc lui, c'est fait. Toi, tu avais été en train de récupérer les quelques rébellions qu'il y avait dans le coin. Je crois que là, on était assez tranquille pour le moment. Ouais. Et général Adgenius. Ah ouais, ils étaient en train de chercher les rebelles qui étaient dans le coin, mais ça a l'air d'aller. Drapes, il est là. De toute façon, j'ai tout pris, je pense. Je dis pas de bêtises. Y'a plus rien qui n'est pas à moi là. Ah, et donc ici j'avais bien éliminé tout ce qui était ouais, ouais, donc là on est bon. J'ai mis quoi là comme vue stratégique? Un parti politique. Ah, il y a une parti politique différente là. Intéressant. Statut diplomatique. Mes ennemis sont en rouge, neutre en blanc. Allié en bleu, j'en ai pas. Ordre public. Les jaunes, ça va pas du tout. Les richesses, ça gère. Et la croissance, ça monte très très vite. Très très bien en Gaule. Bon. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Les lombards sont là. Je vais les foutre à proximité, hein, je vais les mettre là-bas. C'est quoi ça? Pas belle latin? Bah go alors, on va s'occuper de ça. Pas belle chez moi, hein. Ah, pas la tête. Éliminons les rebelles. Ouf. On va faire la bataille. Mets la bataille sur le champ de bataille. Même vachement plus équipé que moi. Mais c'est que visuel. Très bon champ de bataille. Ça me va parfaitement. Bon. Alors. Magurix, il est là. Comme d'hab, on va le mettre entouré de 2-3 trucs. Voilà.
Ça, c'est mon groupe numéro 1 qui va, comme d'hab, se trouver dans le centre. Ensuite, ça, c'est des lanciers. On va les mettre sur les flancs. On va les mettre 3. Ici. Le 2. Du coup, le 3. Voilà. Eux, ça, ils seront en 4. Voilà. Et puis, du coup, bah, j'ai pas grand chose en fait comme, comme artillerie. Il faudrait quand même que j'y remédie. Parce que c'est pas énorme. Voilà. Oh, merde, ils sont là-bas. Fait le 1. Ah oui, non, c'est les 3, je suis con. Hop, c'est bien. Petite pause quand même pour récupérer tout le reste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tout ça, ça va être 7. Ils sont où? Tout à fait au fond. Ok, bah grouillez-vous de venir alors. Et vite. Très vite même. Il faut pourtant vous pouvez tirer sur ce qui vient. Les balistes sont là-bas. Et mes archers peuvent venir tranquillement ici. Chaud patate. Interception les gars. Fais-moi ça. Ok, c'est bien la cavalerie qui s'attaque à mes lanciers. Pas se plaindre. Très bien ça. Bon, toi combat. Les gars, voyez-vous. Et vous aussi, grouillez-vous un peu. Ça va, ils sont occupés. Tout va bien. Correct, il est là, mais il va peut-être pas aller tout de suite. Contact. Vous, allez là-bas. Le reste, il arrive là. Faut se dépêcher un peu. Cool. Par se garder en chaîne de faïence. C'est le général en plus. Général contre général. Pom pom pom. Yeah, yeah, man! Courez, bon sang!
Allez, allez, plus vite. Changez-moi ça. À cheval, ça va emmerder. Rendez-vous utile, vous? Ok, là-bas, c'est massacre. Parfait. Oh, vous, courriez-vous là? Pourquoi tu as tiré hein? Ah, j'ai plus de mission avec ça. Ok, d'accord, c'est la balise qui a plus de mission. Alors, c'était là alors. Hop. Ici, ils ont tout bêté. Parfait. Bah, go. Je vais péter alors. Tout est pété. Faites-vous plaisir. C'est là la lit, on les massacre tous, ils fuient tous. Et voilà. Petite bataille rondement menée. Perdu 471 mecs. Je l'ai tué 1657. Très honnête. Quel est mon général du coup? Celle-là, je suppose. Parce qu'elle était un peu abîmée, ça doit être celle-là, je pense. Voilà, une bonne petite bataille pour commencer la semaine. Je vais le racheter, tiens, pour une fois. C'est des rebelles, peut-être que... Quoique non, en fait. Ils n'ont pas l'air de vouloir... abandonner pour autant. J'étais curieux, mais ça ne marche pas. Bon, c'est pas très grave. Ah, j'ai pris un niveau avec mon armée. R ici ça me donnerait plus 9 de compétences d'attaque en mêlée pour toutes les unités, plutôt avec des armes infligées par toutes les unités, mais ouais bah clairement. Vu que je suis à fond sur le corps à corps avec cette armée là. On va même pas chercher plus loin. Donc ça c'est un long bas. Moi je suis là et je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a Nimo aussi. Nimo qui est sur cette zone là, qui est bien équipé. Où est-ce qu'on pourrait aller si on veut attaquer les Lombards à un moment ou un autre? Lui par exemple, il me semble qu'il faudra l'éliminer. Mais j'ai déjà une armée par ici qui est là. Cambiorix. Non, on va le laisser là, il est très bien là, au fait. Comme ça, quand je déciderai d'attaquer les Lombards, on pourra s'attaquer directement ici à Bergium et à Tullifurdum tout de suite. Pour les prendre complètement en étau de tous les côtés. Enfin, en étau. Oui, c'est en étau. Donc on est bon, en fait. Voilà, on peut terminer le tour.
C'est sérieux? Mais lol. Donc on le libère les captifs pour qu'ils viennent essayer quand même d'attaquer ma ville. Quoi. Bon bah. Tant pis pour eux. Hein. On l'avait essayé mais. J'ai une rébellion. Là-haut. Elle est où mon armée? Elle est là. On va aller mater d'abord. On va d'abord mater ça. Ici c'est bon. Là j'ai de la thune. Là, ok, je cherche moyen de voir s'il y a encore d'autres troubles, mais apparemment pas. Alors, trapèze peut-être pour aller un peu casser les pieds à tous ces beaux gens. Déjà, je serais mieux. Je sais m'armer là. Voilà. Tu restes là. Toi, tu peux rester là aussi. Je vais aller par moi. Ça, c'est fait. Bon. Ici c'est décidé, qu'est-ce que je peux construire encore? Alors ça, j'ai un puits, ça donne de l'ordre public, de la croissance et de l'hygiène. Si je monte ça, ça me fait monter. Encore un petit peu de tout ça, c'est pas mal. Et une source minérale, c'est la croissance et l'hygiène en prime. Plutôt la source alors, hein. Ouais. Et ça aussi on va augmenter. Laquelle je vais faire par contre? Ça va être pas mal. Le bois tout à tisse, il est pas dégueulasse non plus, mais j'ai pas de culture dans l'immédiat. Prichers, provenant du commerce maritime, ici ça peut être utile à la rigueur. Plus 5 morale, non. On va faire le bois de Nodens. Ici, comme ça je peux monter. Ça, ah, les huttes de poissonniers, voilà, tout est en train de monter sur Virunum. Donc ça c'est fait de ce côté-ci, qu'est-ce que je peux encore éventuellement faire? Ici, donc on est sur Stanwick, Stanwick, ça il faut que je gère. Ça, je peux. Peut éventuellement tout est stable. Le latin remonte. Casse-pied ça. Comment se fait ça? Par contre avec tout ça je vois que je suis déjà à 25 minutes de vidéo, donc on va rester là pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite de ce let's play. Donc je vous souhaite une bonne soirée, merci de m'avoir suivi, c'était MacDarch, à bientôt.